Je suis tout d'abord très déçu de ne pas se qualifier. Je suis très déçu aussi pour les gens qui sont venus, pour les supporters qui sont venus nous voir. Voilà, parce que j'attendais autre chose malgré tout de cette équipe, même si je savais que ça allait être compliqué parce que c'est des joueurs qui n'avaient jamais joué ou peu joué. Et dans l'aspect collectif de la chose, je ne m'attendais pas à grand-chose, mais dans l'aspect individuel de la chose, je m'attendais à beaucoup plus de choses. Donc maintenant, j'ai vu certaines choses. Vous avez vu aussi certaines choses. Donc on va de toute façon essayer d'avancer avec les joueurs qui ont envie d'avancer. Et je suis très malheureux d'être éliminé de cette compétition parce que, comme je le dis, le fait de gagner des matchs, c'est toujours important. C'est toujours important de garder une dynamique de victoire. Et aujourd'hui, elle n'y est pas. Mais voilà, il faut savoir tirer des enseignements de certains matchs. Et aujourd'hui, ben, j'en ai tiré. Il y a des choix qui sont faits que j'assume. Après, il y a aussi des joueurs qui prétendent vouloir jouer, et ça paraît normal, mais après, quand on leur donne la possibilité de jouer, même si je sais malgré tout par expérience que c'est difficile de faire des matchs quand on n'a pas eu le temps de jeu et qu'on n'a pas joué depuis un moment, mais pour autant, on doit être capable de faire beaucoup plus, à la fois individuellement et à la fois collectivement, notamment chez nous, devant notre public et dans notre stade. Voilà. Je n'ai pas eu l'habitude depuis que je suis arrivé, d'enchaîner comme ça des défaites et sans prendre position sur certaines choses. Donc voilà, je vais prendre position sur certaines choses, tout en sachant que voilà, ça peut arriver aussi de perdre un match sur une occasion où en fait il y a un long ballon dans la surface où on ne défend pas bien, on ne sait même pas là où il passe. Et puis c'est des matchs de Coupe de France en fait, tout simplement, où vous n'êtes peut-être pas vous assez décisif, notamment sur les 5-10 premières minutes de la deuxième mi-temps où on a des possibilités de pouvoir marquer. Et on se retrouve dans une situation un petit peu comme en championnat où sur une occasion en face, vous prenez un but et vous allez au tir au but et après c'est la loterie. Donc oui, il faut maintenant je vous avais dit que l'objectif c'était de se maintenir et c'est toujours l'objectif de pérenniser le club en Ligue 1. Je vais me battre pour ça, mais je vais me battre avec les joueurs qui ont envie de se battre. C'est difficile, hein, comme après chaque défaite. Mais comme je l'ai dit, il faut se remettre la tête dans le travail jusqu'à mercredi, parce que c'est un match vraiment très important avant la trêve Brest. Donc ouais, il faut se remettre en question et aller chercher cette victoire à domicile. Je pense qu'on est rentré dans un faux rythme en deuxième mi-temps. Ce que voulait Nancy, et ils ont réussi à mettre le but de l'égalisation. Après, 11 contre 9, on n'a pas, comme je l'ai dit, on a été trop frileux devant dans les 30 derniers mètres. On n'a pas assez osé, je pense qu'il fallait aller leur faire mal. Ce qu'on n'a pas réussi à faire. Ouais. Et eux, ce qu'ils attendaient, c'était la séance de tir au but. Ils ont tenu jusqu'au bout. Puis, avec l'envie, ils ont réussi à se qualifier. Ouais. La coupe, ça permet de donner temps de jeu à un peu ceux qui jouent moins, c'est des expériences à vivre si on peut aller loin. Et pour un groupe, c'est toujours bien la coupe. Et ouais, non, c'est vraiment de la déception. Après, comme j'ai dit, les matchs de coupe, c'est vraiment à l'envie, hein, que ça se joue. On voit souvent des petites équipes qui arrivent à battre les grosses. Et ouais, c'est sur l'envie de passer les tours.